Ciao a tutti, benvenuti dentro un nuovo episodio di Mafia Definitive Edition 2. Parleremo con te di nuova avventura Shadow, che dovresti avere sottotitoli le novità, se le attivate, noi con GP. Salut, beau mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein. Bye. Bah, allez donc. Questo è il mio stimolo a sapere il mio comparato. C'est pas vrai, ça! Quand on sait pas conduire, on reste chez soi! Eh, hey, mais c'est la nana de Joe, là! Enfin, une des nanas de Joe. Tu pètes ma caisse! Je vais péter la tienne! Regarde ma caisse! Et là, on se détend, l'ami. Non, mais t'es qui, toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... Je t'avais prévenu. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Merci, beau mec. Je m'en souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes potes... Non, laisse tomber. Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. Vous m'avez acheté des dollars. De Vito. Salut les gars. Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. Luca, lui c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Mais pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi. Et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais. Putain d'histoire.
Vous en êtes tirés comme des chefs. Du bon boulot. Salute. Salute. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Faut faire quoi? Vous pourriez éliminer un type? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire? J'ai fait la guerre, monsieur Gourineau. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le président m'a demandé de buter. Le président. J'adore. Mais tu parles des boches, hein? Tu sais, les méchants. Là, c'est différent. Comment? Oui, parfaitement. Bon, il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment. Et ça fait combien? 5 plaques chacun. Mais c'est une fortune. Hé, personne n'a dit que c'était donné, ok? Tu peux me croire, les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, te voilà. Salut, patron. Tu étais occupé de ce dont on a parlé? Ouais, ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as Henri déjà va. Dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il consiste alors ce boulot? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux pas le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais il se croit intouchable. Et c'est le cas? Ben... Il y a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu comment? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça? Hé, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum! On l'explose. Et on va faire comment? À la MG-42. Et qui va nous la fournir, la MG-42? Harry. Ouais. Un vétéran, comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. Ok, avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi tu vas chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. T'y vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island, l'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. Allez, à bientôt.
c'est? Henri Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Entre! Bonjour. Ah, tu dois être le type dont Henri m'a parlé. Ouais. T'as sa commande? Ouais. Tiens, la voilà. MG-42. Import allemand. C'est la sulfateuse d'Hitler. Une vraie beauté. 12 kilos. Calibre 7,92. 1200 balles par minute. Y a pas plus rapide. Bande de 250 coups. Portée efficace de 1200 mètres, extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez, mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut, il va y passer. Hé, tu veux que je te montre comment elle marche? Non, merci, je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai! Attends, t'étais où? Et t'as fait quoi? La Normandie, hein? Ah non, l'Afrique! Attends, je vais trouver, L'opération Husky. Ouais? Et dans quelle unité? 504e para. Ah ouais! Chez les parachutistes! Vous en avez bien chié, je crois! Ouais, ben on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessé et démobilisé. T'as eu des médailles? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix! Ils distribuent pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Outavitch. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans l'œil. Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Là, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Ouais, Vito. C'est un plaisir, Vito, vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole? Bonne chance. Merci. À très bientôt, Harry. La mitrailleuse est dedans. Et il y a 2000 balles qui vont avec dans la camionnette dehors. Prends tout, c'est compris dans le prix. Hé, sois prudent, hein. Che un tipo coboro per una macchina pescare con il piano di genemica.
Don't worry, my dear Zio. Tu viens d'où, Henri? Sicile. Pourquoi t'as émigré? Mussolini. Il t'a payé le voyage, c'est ça? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en tôle. Alors, il a préféré m'envoyer en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors? Il disait qu'il était trop vieux pour émigrer. Mussolini l'a fait arrêter, et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Tiens, les salauds. Tu parles bien anglais, dis-moi. Et voilà, les voitures noires! Vito, bute cet enfoiré! Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble! Tiens-toi prêt! C'est bon, je les vois. Ils ont des flingues. C'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre. C'est lui, Vito. Bute-moi, c'est parti. On les a touchés. Arrête de tirer avec ce truc. Ça va me rendre sourd. Ouvre-moi! C'est bon, Vito! Allez, allez, allez! Ouvre-moi! Brouille-toi, Vito! On peut pas laisser le gros s'en sortir! Bon, toi d'abord, Vito. Toi qui fais la guerre. Vas-y, on te couvre. Les gars, on arrive, gros cul. Ouvre-moi, Vito. Trêve, connard. On en prend scène, Vito. Je te couvre, Vito. Vas-y. J'ai pas foutu de me tirer, je crois que t'es dans la merde. Vito, t'arrives? Faut pas traîner! Ouvre-moi, Vito! Faites crever! Oh non! Non! Ça a fait ça à l'armée? Oh non! Non, merde! Prends-moi, Vito. C'est bon, Vito. Allez, allez, allez. Non, français, Vito. C'est ça, là. Tiens, je m'éclairais qu'à se discuter ici. Ok, vas-y, appuie, Vito. Bah,
Viens là! Prends tous l'ascenseur! Mais qu'est-ce que tu fous, Joe? Quoi? J'ai soif? Et c'est du bon. On boit un peu? Y'a que toi pour boire quand ça pète de partout. Les voilà! Prends-moi, merde! Allez, Vito, on y va! Ils ont mis ma tête! Vito, bougez-vous! Faut pas se laisser coincer ici! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils tirent dessus, ces enfoirés! Allez, le gros cul est en haut! Suscitând și de ce am urit de vom, niciunul nu mai știu de câte ori. Am mai rămas în sigur tip și mă urmăresc în jur la 20 de minute. De ce? J'ai une femme! T'aurais dû penser à ta femme. Je la laisse comme vous voulez! Vous nous suivez! Faites-moi ça, s'il vous plaît! Donne Clémenté te salue bien. Oh! Merde! Henri, ça va? Putain! Tu t'es touché? À ton avis, du con! Il m'a tiré dans la porte, enfoiré! Oh! Merde! Putain, c'est vrai, vachement de sang! Faut que j'aille chez le Greco! Qui ça, le peintre? Non, putain, le docteur, un petit! Ok, reste calme, c'est comme si on y était. Le grec, quoi, il vit à Highbrook. On va te mettre dans la bagnole. Ah, t'es plus lourd que t'en as l'air. Ce gros con. Il a failli m'exploser les couilles. Mais non, ça va, tes couilles ont rien. Doucement! Ça fait mal! Dis donc, si ça te plaît pas, tu peux toujours marcher tout seul! Ça va, c'est pas la peine de t'exciter! C'est moi qui perds tout mon sang! Ah. Non! Je veux pas crever! Allez, vite! Oh, reviens, mort! Partir, qu'est-ce que t'attends? Oh! T'es pas mort de peur, Tristan? D'un coup, allez! Oh, oh, oh. Vito, couvre-nous. L'incendie gagne! Je le savais, putain! Je le savais! De quoi tu parles? C'est un putain de vénard!
J'y passe. Eh, hey, dramatise pas, hein? C'est rien du tout. Le doc va te faire quelques points et puis on ira tous en boîte fêter ça. Hein? Je crois pas. Chut. Vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au Cinoche l'autre fois. Ouais. Et comment ça se finit pour le gars? Il meurt. Ah. C'est pas vrai! On dirait ma grand-mère au volant! Poursuivons suspect armé! Nous tirons à vue! Accélère! Henri transpire autant qu'une pute à poil dans une église! Si tu veux que j'aille plus vite, prends-moi un service! Ferme-la! Allez, Vito, tu peux pas aller plus vite! Il faut qu'on sème les flics! Putain, je vais aussi vite que je peux! Ah, c'est pas assez! Calme-toi, tu veux? J'ai un trou dans la jambe aussi gros qu'une balle de golf, alors je me calme pas! Emmène-moi chez El Greco, putain! En fait, c'est qui ce gars? Quel gars? Le gars chez qui on emmène Henri? El Greco? C'est un docteur! Lui file quelques billets, il te remet sur pied sans poser de questions. C'est lui qu'on va voir quand tu peux pas aller à l'hôpital, crétin. Mais pourquoi on pourrait pas t'emmener à l'hôpital? Parce que si t'arrives aux urgences avec une balle dans la peau, ils préviennent les flics. Ouais. Et donc El Greco s'occupe de plein de gars dans le secteur. T'auras pas besoin de passer le voir. Tu te retapes toujours vite, quoi. Ça doit être ton régime. Le suspect fait environ 1m80, corpulence moyenne. Hey, Henri, t'es conscient? Reste avec moi. Allez, tiens bon, mon pote. On arrive bientôt chez El Greco. Oh, ça sent la moussaka, je te jure. Allez, tiens bon, mon pote. On arrive bientôt chez El Greco. Oh, ça sent la moussaka, je te jure. Ce type est taré. Il faut qu'on le neutralise. Veux que j'aille plus vite, rends-moi un service. Ferme-la. Vito, là. Cette maison, garde-toi devant. El Greco, le docteur? Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. Merci, Doc. C'est pas vrai. On vaudra ça. Henri, portez-le dedans. Hé, je vous file votre fric. Je vous le dois, prenez. Vous pouvez attendre, mais merci. Et puis, merci pour le reste. Retape-toi bien. Ouais, compte sur moi. Reste avec Henri. Je te retrouve à la porte. D'accord. Thank you.
merde. Si vous trouvez votre bonheur, faites-moi signe. Ce sera tout? Oh, disgraziato! C'est gentil. Vito, salut, comment tu vas? Non, non, écoute, j'ai le blé pour rembourser les dettes de papa. Oh, Vito, formidable. Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Et puis, il ne nous fera rien. Je suis pas si sûr. Mais t'inquiète plus pour ça. Tiens, prends-le. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets? Ah non, t'inquiète pas, tout va très bien. Merci, Vito. Merci. C'est rien. Bon, il faut que j'y aille. Je préfère éviter maman. Je tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions. Ne t'en fais pas, je lui mentirai. D'accord. Tu l'embrasses bien fort pour moi. Et attention à toi, Vito.
Capitolul 6. Marea vacanță, Little Italy, 26 februarie 1945. Vito Scaletta ? Ouais ? Vous êtes qui ? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Un des pompistes servait d'indique à la police. Le gars m'avait dénoncé et ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Henri m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou, mais on me tendait la main. Et faut dire, ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient Et su pour mes activités annexes. Votre crime d'autant plus ignoble que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. Un acte d'une extrême gravité que vous, Monsieur Scaletta, avez... L'avocat était bon, mais même lui ne pouvait pas me tirer de là. J'étais sûr d'être condamné. 3 mois plus tard, ils ont rendu leur verdict. Vittorio Antonio Scaletta, pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la cour a décidé de vous condamner à une peine de 10 ans dans un pénitencier fédéral. Pénitenciers, voleurs, assassins, pédophiles, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, tas de cons, écoutez. Suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Français, trois grands professeurs. Quoi, t'aimes ça à ce point, petit merdeux? Bon, relève-toi et retourne. Non, pitié. Non. Hé, hey, connard, j'aime pas trop me répéter. À ta place. S'arrête. Demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles. Je suis le capitaine Terence Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermé ici parce que vous n'êtes pas foutu de vous comporter dehors comme des êtres humains. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi. Et vous allez m'obéir ou vous le regretterez, je vous le dis. Cassez-moi les couilles, et je vous ferai chier comme jamais. On vous a mis ici pour vous rééduquer. Et je vais vous rééduquer. Ça, oui. Ok, trou du cul. Maintenant, on va vous détacher, le temps que vous fassiez un brin de toilette. Alignez-vous et suivez-moi.
Bienvenue au salon de beauté. On va vous rendre plus belle que jamais, mademoiselle. Quoi, moi aussi? Mais j'ai pas un seul type sur le caillou. Ta gueule, crâne d'œuf. Ok, on avance. Hé, fais ce que je te dis. T'as de la merde dans le cerveau? Eu să-mi opresc aici pentru aceste video, pentru că începe să fie prea lung și dacă vă place, nu uitați să vă abonați. Ciao, ciao!